Salut tout le monde, je vous retrouve avec plaisir. Nous sommes pour aujourd'hui le dimanche 6 décembre. Donc vous verrez ces vidéos que le jeudi 10 décembre. Voilà. Et oui, je sais, ça va être très décalé, mais bon, là je me suis dit, bah tiens, pourquoi je vous ferai pas qui. On se prépare ensemble, petit vlog, voilà, un petit truc un peu vite fait. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir cette journée, c'est par ici que se passe la suite. Voilà, alors ben, je vais commencer. Ben, je vais d'abord, avant de me préparer, commencer par vous montrer, puisque j'ai que deux produits, hein, je ne vais pas faire une vidéo haul. Voilà, je ferai une revue dessus. J'ai reçu un petit colis hier de chez Beauty Bay. J'ai profité justement parce qu'il y avait les prix. Comme je vous disais sur la vidéo blabla, il y avait des prix. Donc j'ai profité pour prendre deux produits. J'ai pris un set de crayons, comme ils appellent ça, le crayon eyeliner quad. La collection métallique qui se présente dans une boîte comme ça. Et en fait, dedans, vous avez. Alors, il y a plusieurs types de collections. Là, il y en a avec trois crayons ou avec quatre. Les métalliques, ceux-là, il y en a quatre, si j'arrive à les sortir. Ils se présentent comme ceci. Après, bon, on ne peut pas voir la couleur, c'est dommage. Mais en fait, il y a un vert, un bleu marine, un ocre et un doré. Donc celui-ci c'est le peacock, c'est un bleu. Je me suis mis un petit peu en fait la couleur, mais oups, ah bah oui, ça s'enlève, je suis bête. Vous avez le taille crayon là, ce que vous savez, c'est les crayons, hop là, qui se tournent comme ceci. Donc là il y a un magnifique bleu, je peux vous dire que il tient très bien. Si vous voulez, je vais vous montrer, comme vous voyez. Non non, c'est le vert. Oh là, c'est vraiment bleu. Non, c'est le vert. Peacock, oui, en plus c'est logique, c'est vert. Je sais pas pourquoi je. Bleu. Oh là. Bref. Celui-ci, c'est le antique. Qui est plutôt bronze. Franchement, ils sont hyper crémeux. Alors avec ça, je vais pouvoir faire des super dégradés sur les yeux. Celui-là, c'est le deep. Celui-ci c'est le bleu marine, par contre. Oui, voilà. Non, c'est même noir. Je sais pas pourquoi je le voyais bleu marine hier. C'est le noir. Oh, décidément, moi j'ai un problème avec le bleu, c'est pas possible. Et le dernier, c'est le cushion, qui est plutôt un ocre. Voilà. C'est plutôt un ocre. Ils sont hyper gras, facile à nettoyer. Facile à appliquer, c'est super, vraiment pratique. Et ces petits kits, c'est sympa, hein. Il y a des pastels, il y a plusieurs collections. Moi, je voulais des métalliques. Et ensuite, bah, j'ai craqué pour la Book of Magic, qui est vraiment super belle. Et c'est super bien emballé, hein, dedans les produits. Vous avez toujours le carton. Là, alors là, c'est carrément double emballage. Et elle se présente comme ceci, la palette. Voilà les couleurs. Donc voilà pour la palette. Je dis, je vais profiter pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Voilà, donc je vais me préparer. Je vais peut-être vous faire ça un petit peu en accéléré. Hein, peut-être pas besoin de tout voir, hein, puisque les soins, vous savez, j'ai pas changé. Le maquillage de base, c'est celui que je fais naturellement. Donc, je vais vous prendre en accéléré.
Voilà pour le teint. Je vous remets juste vite fait. Je vais faire juste un petit ombré léger, enfin quelque chose de très léger avec le maquillage. Et je vais utiliser ces deux couleurs, ces deux palettes pour prendre, parce qu'il y a du marron sur celle-ci, il y a celui-ci et il y a un peu plus de mat sur celle-ci. Donc ces deux palettes de chez Technique Cosmétique. Ce sont des palettes de pigments pressés. Là, il y a la Vaquée et là, il y a la Goodness. Très très bonne palette, pas cher, hein, je vous avais fait la revue complète dessus, on va faire ça pareil en accéléré, puisqu'on va faire quelque chose d'assez vite fait. Voilà, j'ai fini, j'ai mis mon blush, ça a coupé entre-temps. Vous n'avez pas vu, mais c'est celui que je mets d'habitude. Hein. Hop, je range mes palettes. Désolée. Voilà, je vous remonte, j'ai fait une petite forme. Voilà, c'est un peu chargé, on dira, mais bon, c'est pas grave. Pour une fois, voilà, dans l'après-midi, on ira peut-être faire un tour à Jiffy. Puisqu'on va passer à côté, on verra bien. Je regarde. Et je vous montre. Regardez-moi qui c'est qui est là. Comme d'hab. Hein? Les trois chiens et mon gros loulou derrière moi. Alors eux, là, ils ne quittent pas. Voilà. Donc là, je vais aller voir pour préparer à manger. Enfin bon. On va voir comment je vais vous reprendre après pour vous montrer un petit peu ce que je fais. On verra. Voilà, alors je vais préparer à manger. Je vous montre rarement, mais là c'est juste pour vous montrer. Je ne sais pas si vous devez connaître. Hein, je trouve ça hyper pratique. Je vais faire la viande, je vais faire, vous savez, dans les sachets comme ça que l'on met au four. Là c'est papillote, côte de porc, tomate et herbes méditerranéennes. Justement, c'est ce que j'ai sorti ce matin, donc ça va être hyper pratique. Je trouve ça super pratique. Vous avez juste à mettre la viande dans le sachet comme ça. Vous mettez en fait après. Alors, pour celui-ci, il faut rajouter 75 ml d'eau ou sucre, 6 cuillères à soupe d'eau, et puis bah, le mélange d'épices après bien secouer avec la viande dedans, bien fermé. Et ce qui est bien, c'est. Il y a la petite attache et après hop, ça cuit au four. Voilà. Voilà. Je suis revenue de Jiffy. J'ai pas filmé dans le magasin. Il y avait du monde. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mince, j'ai oublié de sortir la caméra. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, je vais déjà vous montrer deux petits trucs que j'avais pris chez Action. Il y a bah, notamment la guirlande là, derrière. Enfin, l'Irlande. Ouais, s'il est lumineux, on va dire. Et j'avais pris deux lots de bougies comme ça, des gris argentés, pailletés, et des blanches. Et là, en fait, j'ai pris. Alors, oups, ceci.
Donc c'est pour mettre, vous mettez ça sur la table, c'est un set de table, moi bon, j'en ai pris qu'un, ce sera pour mettre le plat pour Noël, je l'ai pris en argent, doré, je ne trouvais pas ça top. J'avais vu ça dans plusieurs autres magasins, mais alors ça coûtait excessivement cher je trouve, là ça allait, le prix raisonnable. J'ai pris ceci, j'ai trouvé ça super mignon, petite clochette. Alors j'en avais vu un autre beaucoup plus grand, mais le modèle que j'avais vu sur le site n'était plus en magasin, il y avait d'autres modèles, mais comme ils étaient ressemblants au petit, bah, j'ai pas pris, parce que ça sert pas à grand chose. Une bonne affaire, mais alors vraiment une très 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 bonne affaire. Hop. Allô, clavier, tapis, souris et le casque, donc pour l'ordi. Et franchement là, ça valait vraiment, mais alors vraiment le coup. Hein. C'est une super affaire. Je sais plus combien c'était. Et il était à moins 50%. Alors, en ce moment, si vous avez la carte VIP, je sais plus jusqu'à quand, sur les trucs de Noël. Bah tiens, je peux le prendre. Vous avez des produits qui vous rapportent 50% en bon d'achat. Donc là, sur les produits, j'ai eu... Ça nous a fait quoi, 4,89€, je crois, en bon d'achat. Bon. Ça va, ça vaut le coup. Après, ce n'est utilisable qu'au mois de février 2021, entre le 8 et le 13 ou le 14, je crois. J'ai pris ceci. Alors apparemment ça doit s'allumer, je pense. Bon, ça c'est pour ma belle-fille, parce que le sien a été cassé. Celui-ci est plus pratique parce que en fait il n'y a qu'à le dévisser plutôt que de devoir. Vous savez, ceux qui sont en. Je vais vous montrer. Comme ceci. Où il faut appuyer pour sortir. Ben, là, le sien s'est cassé. Donc du coup, celui-ci, c'est plus pratique. Voilà. Il y avait de chouettes tasses aussi de Noël, mais je me suis dit non, j'en ai beaucoup, donc je ne vais pas en prendre. Ça ne sert à rien, je ne sais pas trop, après ça va prendre de la place. J'ai pris ceci. Donc une petite guirlande lumineuse. Alors c'est d'extérieur, mais bon, moi je mettrai dedans. Hein. Il y a 8 programmes d'éclairage, c'est à pile, il y a 48 LED et en fait elle fait 3,76 m de long. C'est pas mal, je l'avais vu allumé, enfin légèrement allumé parce qu'avant c'était pile dans le magasin, hein, mais voilà, je trouvais joli. Ce sont des petites étoiles là comme ça, c'est très sympa. Oui, qu'est-ce que tu me racontes, le chien? Regardez. Ah voilà, ça y est, t'es contente, t'as dit bonjour. Monsieur s'exprime. Voilà, petite comme ceci, ça fera assez sympa. Et puis, ben non, j'ai toujours pas fait ma déco de Noël, mais bon, c'est pas grave. D'habitude, c'est vrai que pour le 1er décembre, j'aime bien que ça soit fait, mais là, ben non, j'ai toujours pas été chercher les décos. Là, j'en ai pris une, c'est la seule. Je l'ai trouvée très sympa. C'est un petit renne comme ça. Ça va être ça, c'est pas mal. Je trouvais ça mignon. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et alors, pour mettre à nos pareil, alors j'en ai pris deux parce que je trouvais très joli. C'est des bougeoirs. Vous savez, pour mettre les. Oh, celui-là, il a un défaut. Bon, c'est pas grave. Pour mettre les petits chauffe-plats, donc j'en ai pris un comme ça en rose gold. Ça va être sympa, ça fait un peu plus fête et puis après ça peut décorer, c'est joli. Et du coup, bah après j'ai pris le même en noir, comme ça, ça fait côté féminin, masculin, on va dire, plus sympa. Et puis, ah, puis ceci, petite gourmandise, je connais pas, j'ai vu ça et j'ai vu que c'était surtout marqué framboise et j'adore ça, donc je pense que c'est des petits morceaux de framboise séchés au chocolat. Voilà. Pour tester, donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qu'il n'y avait plus, mais bon, j'avais vu, il y avait des petites, j'avais repéré des petites décos de Noël pour le sapin en forme de d'étoiles de neige, mais qui étaient transparentes comme ceci, qui étaient très très belles, mais il n'y en avait plus.
Puis voilà, j'avais vu s'il y a un joli service de table, mais bon, pour le moment, c'est pas la peine, c'est pour les fêtes. Donc c'est bien quand on reçoit du monde. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure pour la fin de la journée. Là, la nuit commence à tomber, il est 6h moins 5. Toujours, voilà, pour la petite routine du soir. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alors bah, je vais commencer. Bah, je vais d'abord, avant de me préparer, commencer par vous montrer, puisque j'ai que deux produits. Hein, je ne vais pas faire une vidéo haul. Voilà, je ferai une revue dessus. J'ai reçu un petit colis hier de chez Beauty Bay. J'ai profité justement parce qu'il y avait les prix. Comme je vous disais sur la vidéo blabla, il y avait des prix. Donc j'ai profité pour prendre deux produits. J'ai pris un set de crayons, comme ils appellent ça, le crayon eyeliner quad, la collection métallique qui se présente dans une boîte comme ça. Et en fait, dedans, vous avez... Alors, il y a plusieurs types de collections. Là, il y en a avec trois crayons ou avec quatre. Les métalliques, ceux-là, il y en a quatre, si j'arrive à les sortir. Ils se présentent comme ceci. Après, bon, on ne peut pas voir la couleur, c'est dommage. Mais en fait, il y a un vert, un bleu marine, un... ocre et un doré. Donc celui-ci c'est le peacock, c'est un bleu. Je me suis mis un petit peu en fait la couleur, mais oups, ah bah oui, ça s'enlève, je suis bête. Vous avez le taille crayon là, parce que vous savez c'est les crayons, hop là, qui se tournent comme ceci. Donc là il y a un magnifique bleu, je peux vous dire que il tient très bien. Si vous voulez je vais vous montrer, comme vous voyez. Non c'est le vert, oh là, c'est vraiment bleu, non c'est le vert. Peacock, oui, en plus c'est logique, c'est vert. Je sais pas pourquoi je... Bleu, oh là. Bref, celui-ci c'est le antique, qui est plutôt bronze. Franchement, ils sont hyper crémeux. Alors avec ça, je vais pouvoir faire des super dégradés sur les yeux. Celui-là c'est le deep. Celui-ci c'est le bleu marine, par contre oui voilà, non c'est même noir, je sais pas pourquoi je le voyais bleu marine hier, c'est le noir. Oh décidément moi j'ai un problème avec le bleu, c'est pas possible. Et le dernier c'est le cushion, qui est plutôt un ocre, voilà c'est plutôt un ocre. Ils sont hyper gras, facile à nettoyer, facile à appliquer, c'est super, vraiment pratique. Et ces petits kits c'est sympa, hein. Il y a des pastels, il y a plusieurs collections, moi je voulais des métalliques. Et ensuite bah, j'ai craqué pour la Book of Magic qui est vraiment super belle, et c'est super bien emballé, hein, dedans les produits. Vous avez toujours le carton là, alors là c'est carrément double emballage. Et elle se présente comme ceci, la palette. Voilà les couleurs. Donc voilà pour la palette. Je vous dis, je vais profiter pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Voilà, donc je vais me préparer. Je vais peut-être vous faire ça un petit peu en accéléré. Peut-être pas besoin de tout voir, hein, puisque les soins, vous savez, je n'ai pas changé. Le maquillage de base, c'est celui que je fais naturellement. Donc, je vais vous prendre en accéléré. Je vous retrouve vite fait dans... voilà, on a installé. C'était pour vous montrer ce que ça a fait. Le nouveau clavier, la souris. En fait, c'est surtout parce que ça apporte de la luminosité. Parce que dans le bureau, j'ai juste cette petite lampe là-haut. Et ça éclaire pas du tout, donc franchement c'est pas du tout pratique. Donc là vous voyez j'ai mis le petit sapin et je me suis mis une petite guirlande là, clignotante. Et en fait je voulais vous le faire parce que j'ai un Tassimo. Et pour les gens qui ont, si vous vous inscrivez sur le site directement de Tassimo, vous inscrivant avec le comment, à la newsletter, vous recevez un code ici,
Voilà, le code qui vous donne 30% de remise pour... comment c'est mis ça? Bah, 30% de remise sur toutes les boissons, sachant que en plus pour 30 euros d'achat, les frais de port sont offerts. Et sinon, en ce moment, il y a une offre de moins 25% sur les boissons des 45 euros d'achat avec le code Black 25. Et c'est vrai que ça peut valoir le coup. Moi, j'achète quand il y a des promos. Et là, c'est vrai que vous avez, par exemple, les offres, vous avez des lots. Ça peut valoir le coup pour certaines choses et pour d'autres non, parce que, par exemple, ils ont sorti des nouvelles boissons et franchement, oh ben là, il n'y a plus rien du tout sur leur kit. Bref, ils ont sorti des nouvelles boissons. On voit plutôt on voit la pub à la télé, mais alors tout ce qui est à base de lait comme le macchiato, latte, tout ça, bah, ça vaut pas le coup parce qu'en fait, il n'y en a que 8. Donc franchement, ça, voilà, vous voyez, comme celui-ci, le Columbus, là, voilà, celui-là, là, il n'y en a que 8 pour 4,99 et franchement, là, 8, ça vaut pas le coup, du tout, du tout, du tout. Donc là, j'en ai plus et bah, bon, le prix, ça va. Donc comme là, il y a une remise, j'avoue que je vais prendre 2-3 trucs. Alors celui-ci est hyper bon. Mais vous avez le classique aussi qui est en XL. Celui-là est vraiment très très bon. Où c'est qu'il est? Je ne sais pas s'ils vont l'avoir. Là, c'est que l'intense. Je ne sais pas s'ils ont le classique en... Alors, ceux-là, tous ceux qui sont à 8 seulement, ça vaut pas le coup. Parce qu'en fait, si c'est comme pour le... Cappuccino, vous avez une dosette lait et une dosette café. Donc là, il y a tout de... Ah non, je savais bien qu'il n'y avait pas tout. Donc, voir tout. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et vous pouvez avoir des bons si vous enregistrez le code barre de votre Tassimo. Donc moi, c'en est une nouvelle. Il faut que je regarde. Il faudrait que je retrouve la boîte. Parce que je ne sais pas. J'ai pas le code barre marqué dessus. J'avais l'ancienne, vous savez, les gros modèles. Et donc, du coup. Alors, voyons ce qui vaut plus le coup. Il y en a 24. Je vais prendre ça. Alors, le petit déjeuner, ça, c'est très bon une fois de temps en temps. Ça vaut le coup parce que je le trouve un peu plus cher, celui-là, en grande surface. Je le trouve un petit peu plus cher. Et donc du coup, ah, ils n'ont pas en XL le celui-là. Donc du long classique, je l'ai, j'en ai déjà. Comme je connais un peu les prix, je vois que voilà, je sais que. Voilà, je vous reprends vite fait et après je clôturerai comme ça parce que bon, le reste, j'ai pas grand-chose d'intéressant à vous montrer. Il est 7h30, enfin 19h30. Je vais aller prendre ma douche, mais bien sûr, avant, je vais me démaquiller. Donc c'est pareil, vous avez l'habitude de voir, j'ai pas changé de routine pour le moment. Par contre, je vous avais montré dans la vidéo du premier, blabla, que j'avais reçu pour tester un produit pour la douche, donc je l'ai installé. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà,
Alors, vous voyez, en fait, ça s'installe assez facilement. Donc, moi, la douche là, puisque c'est avec la. Alors, ça s'utilise avec la douchette, pas avec le pommeau. Et en fait. C'est mouillé. Donc, la capsule. Donc, normalement, pour la mettre, en fait, ça se clipse sur le côté. En fait, je l'ai installé parce que je voulais faire ça ce matin, mais je me suis retrouvée en panne d'eau chaude. Il y a eu de l'orage, coupure d'électricité, tout ça. Donc le ballon d'eau chaude n'a pas fonctionné. Donc normalement, ça se tourne. C'est ouvert de ce côté-là, mais là, on clipse comme ça et on fait tourner le niveau. Et après, bah, quand on ouvre, quand on se sert de la douchette, ça fait couler l'eau avec les huiles essentielles. Donc là, j'ai mis celle à base de miel, entre autres. Miel, il y a du bois de santal blanc, je crois, que j'ai vu. En fait, c'est fait pour bien se détendre. De toute façon, je vais faire un article complet sur le blog pour en parler. Et après, je l'ai montré sur Insta pour montrer un peu les photos du produit. Donc voilà, donc je l'ai installé. Je vais pouvoir prendre la douche. Alors. Vous verrez le lien du. Je vous mettrai le lien du site pour ce produit si vous voulez aller voir, sachant que c'est pas donné. Les recharges, par contre, ça va, c'est pas excessif pour des recharges avec de l'huile essentielle. Donc, c'est une douche, une recharge qui dure de 5 à 8 minutes. La douche, à peu près, pour enfin, le temps que ça vide le produit dedans. Vous avez des kits, le coffret comme j'ai reçu, complet. Il fait 108 euros. Des poussières. Sinon, après, vous avez juste le système pour clipper la capsule dedans. Le modèle là, celui que j'ai tout seul, je crois qu'il fait dans les 149 euros, un truc comme ça. C'est pas donné. Après, ça travaille avec les hôtels, les spas, les hôtels spas, tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'après, bon, c'est un investissement. Là, j'ai de la chance d'avoir pu le tester. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis bien contente. Ça fait plaisir. Donc bon bah je vais me démaquiller. On va prendre la douche. Shampoing aussi. Vous voyez, la couleur, je trouve qu'elle vieillit bien. Je vous le remontre encore parce que je vous l'avais montré la dernière fois. Elle est très sympa. Dans un autre, plus tard, je vais en refaire un petit peu puisque je vais refaire, ça fera presque un mois. Et oui, ça passe très vite. Donc je vais refaire quelques petites mèches et refaire le gris pour que ça ressorte. Voilà, donc je vous montrerai peut-être ça si ça tombe avant le 24, parce que bon, j'ai prévu des vidéos, mais je crois qu'il y en a deux ou trois, deux jours où j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Donc voilà, et après, bah, ça sera le repas, ça sera assez simple, ça sera juste une petite soupe tranquille, parce que voilà, le soir, on aime bien une petite soupe. Petite soupe, petit yaourt ou fruits, ou voilà, ce sera un truc tranquille, donc rien de bien intéressant à vous montrer. Voilà, ben, pour ma petite journée avec moi, donc pour ce dimanche, pour vous, ça sera jeudi 11, le 10, jeudi 10, parce que le 12 c'est samedi, donc pour vous, ça sera le jeudi 10. Voilà, ben, j'espère que cette petite journée vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, notamment bah, comment je vous ai montré pour la petite commande que j'ai passée chez Tassimo, donc que j'ai validée. Ça a fait une sacrée affaire. J'ai fait une bonne réduction parce qu'en fait, les 30% de remise sont valables dès 45 euros d'achat. Et bon, j'ai profité connaissant les prix dans les magasins. Je me suis dit, bon, là, ça vaut le coup. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de promos, donc je vais en profiter. Et comme il y a la livraison gratuite. Ça fait une bonne affaire. Tout ce que j'ai eu, honnêtement, si j'avais pris en magasin, j'aurais pas eu autant de produits. J'ai 11 boîtes. Et pour avoir le prix que j'ai payé, dans une trentaine d'euros au lieu de 40 et quelques, sachant que les prix sont quand même chers parce que ça a augmenté, j'en aurais pas eu autant. Donc voilà, on va dire que ça sera la petite folie de fin d'année. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vais vous dire, eh ben, bah pour vous, ça sera demain vendredi 11 novembre. Passez une bonne soirée. Bye bye!